Département pêche, le personnel en grève. Les fonctionnaires du département pêche au sein du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont entamé une grève pour réclamer l'indépendance de ce département pour en faire à nouveau un ministère à part entière. Selon ces agents, la pêche joue un rôle majeur dans le développement du pays qui compte 5000 km de côte en sus de la zone exclusive économique et de nos lacs et rizières. À l'heure actuelle, de nombreux malgaches vivent de la pêche. Par ailleurs, ce secteur contribue beaucoup au renflouement de la caisse de l'État. Ces fonctionnaires rappellent qu'en 2017, alors que le département de la pêche était encore le ministère de la pêche et des ressources halieutiques, ils ont enregistré une recette de 500 milliards d'ariages et ont contribué à l'économie nationale à hauteur de 7% du PIB. Actuellement, ces chiffres sont loin d'être atteints, déplorent les agents de ce département. Par ailleurs, ces derniers souffrent de la lenteur administrative lorsqu'ils ont des dossiers à préparer, comme le retrait d'un bulletin de consultation, une opération qui doit désormais se faire au niveau central à Anous. Cette lenteur administrative ouvre également la voie à des irrégularités. Ainsi, l'Association des pêcheurs a manifesté son soutien aux fonctionnaires du département pêche. Ces derniers s'opposent également à la dissolution des différents organismes rattachés au ministère de la pêche, comme le Centre de surveillance de la pêche. Les manifestants campent sur leur position et se déclarent prêts à poursuivre leur grève jusqu'à obtention de gain de cause, c'est-à-dire la mise en place d'un ministère de la pêche.